Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Reach pour ce 37e épisode du Let's Play consacré à Assassin's Creed Valhalla, je suis Warkfey. Alors, avant toute chose, voilà ce que vous avez loupé dans l'épisode précédent.
Ok, c'est reparti. Oh. Peut-être que je fasse gaffe quand même. Alors, on va regarder un peu autour ce qu'il y a. Je vais aller voir si je peux choper ça. Ensuite. J'irai, je pense, faire voir ce que c'est et après aller au point de synchro. Ok, je vois. Par contre, il faut vraiment que je récupère des flèches. Ça pourrait être pas mal. Disons que ça pourrait aider quoi. Ok, donc il y a ça à faire péter, il doit y avoir une jarre pas loin. Au-dessus peut-être. Bon, ici il n'y a pas de jarre. Ah d'accord. C'est pas une jarre à faire péter, c'est ça à lui faire tomber dessus. Les mecs, il y a un truc qui tombe, ça les affole même pas. Guide-moi, Sinine. De touche, désolé. Ça je peux pas donc il péter. J'aime bien ce qu'ils font au niveau des
des, comment dire, des énigmes à résoudre. Ok, on a un boss carbone. C'est tout. Je récupère un d'argent, c'est pas ouf hein, ici. Je m'attendais à clairement mieux, hein, mais bon. C'est pas grave. Derrière, donc on a dit, on va voir ce qui se passe là-bas. C'est ça que j'ai entendu, d'accord. Et les petits gars. Et je suis passé devant eux, ça les a même pas inquiétés. Danoise, je suis attaché à cette dame et je ne crains pas de tuer les gens comme toi. On va essayer. Les verbes. Je me rends. Trouve-toi un autre champion, femme. Étrange. Ah non. Ah ce mec. Ce mec. Oh non, son armure, tout ça, ça m'avait. Enfin, son niveau d'armure, tout ça, ça m'avait presque, comment dire, persuadé que ça allait être dangereux. C'est fini. Tu peux sortir maintenant. Tarkin ? Monseigne, qu'est-ce qui s'est passé ? Ton ravisseur a fui. Je dois dire qu'il était un peu mou. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Oh, Seigneur, non ! Ce n'était qu'un jeu ! Une farce ! Oh, mon cher Tarkin, comment as-tu pu ? J'ai vu un homme qui te retenait contre ta volonté. Cela faisait partie du jeu de séduction. Mon Dieu, tu as vraiment cru que ma vie était en danger? Et tu as risqué la tienne. Oh, tu es si courageuse. Une vraie protectrice. Dis-moi que tu plaisantes. Je t'en prie. Tu dois te battre pour moi. Qui sait ce qui rôde en bas? Qui pourrait venir s'en prendre à moi? J'ai besoin d'une protectrice forte et déterminée. S'il te plaît, descends monter la garde. Si je le fais, tu sortiras? Oh, je t'en fais la promesse. Tiens-toi simplement à la porte, en bas. Comme cela, tu te trouveras entre moi et tous les vilains méchants. Ok, là, il y en a qui arrivent. Un danger approche. Oh, parfait. Un vrai danger. Ne dis rien. Oh, malheur à moi. Une fille de roi ayant fui sa demeure avec tous ses plus précieux joyaux. Oh, eh bien, je dirais que ça mérite un coup d'œil. Ah. La mort vient te chercher. Bah, il s'est relevé. Qui veut se battre? Vas-y, je lance la lance. Boum, allez. Ah bah, il était pas si dangereux que ça, au final. Oui, là. Tu as encore réussi. Je crois que nous sommes destinés à faire cela pour toujours. Bon, il est temps que je m'en aille. Es-tu encore là, ma sauveuse? Ok, est-ce que ça me donne pas un peu d'XP? Hey.
Oh, joli, allez hop, passage de niveau. Ça c'est nickel. Il y a un truc à l'étage. Lettre de Teg Turkin. Madame, ma passion me consume. L'idée de te rencontrer, de poser les yeux sur toi, après une si longue cour épistolaire, après une si longue cour épistolaire, provoque en moi des frissons que je n'ose exprimer par écrit. La possibilité d'enfin concrétiser nos plus profonds désirs me donne envie de te rejoindre au plus vite. Pour ce qui est de ta quête, pour ce qui est de ta requête, si je la trouve très étrange, je me fie à tes intentions et ferai ce que tu souhaites. N'est-ce pas la preuve que mon indéfectible amour, Tarkin. Ce mec est complètement malade. Ah bah voilà, ça c'est bien, c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Tu vois. Alors, derrière, on a ça à aller récupérer. Un petit trésor. Donc je vais faire ça, après je ferai ça. Et ça. Est-ce qu'on peut sauter? Ouais, on peut sauter là sans se faire mal. Voilà. Alors, compétences, on a deux petits points à attribuer que je ne sais pas du tout où je vais les attribuer. Je vais continuer ma remontada par ici, là. Augmenter les dégâts d'assassin, c'est pas mal. Augmenter les dégâts à distance, ça va faire découvrir une partie. Pourquoi pas. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Dégâts légers. C'est quoi ces dégâts? Ah non! Ouais, c'est vraiment les dégâts, c'est pas les protections. Plus 2 de bas critique, dégâts à distance, discret. Achèvement, étourdissement à l'arc. Appuie sur R tout en visant un ennemi étourdi à la tête pour déclencher un achèvement d'étourdissement à l'arc. D'accord, ça peut être intéressant. Mais peut-être pas tout de suite. Ouais, ok. Ça, c'est quoi? Adrénaline de discrétion. Tout en demeurant discret, recevez de l'adrénaline en pillant des coffres ou en détroussant des gens dans une zone interdite. C'est beau. Ouais, c'est pas ouf en vrai. Combo à l'arc de chasse. Ouais, ça peut être sympa. Décochez une flèche immédiatement après avoir tiré sur la corde afin de tirer plus rapidement la suivante. Hein? Ça peut être intéressant. Renforcement des flèches. Grâce à cette compétence, les flèches tirées ne se brisent jamais et peuvent être récupérées sur les ennemis abattus. Ah! Ben ça par contre, je prends tout de suite. Ouais, donc je vais faire les deux prochains niveaux. Je vais faire tac, tac, tac et commencer à débloquer là-haut. Ça va être clairement utile. Alors du coup faut que j'aille là-bas. Oh, mais ça c'est encore un espèce de marchand. Hein. Waouh, c'est quoi ce bestiau? Ok, bon, j'ai rien dit. Il était juste vraiment très gros. Défense de sanglier. Ok. Je vais devenir la terreur des sangliers. Nouveau lieu découvert. Je ne dois pas être vu.
Vite, ma capuche. Zone méfiante. Est-ce que ça serait une zone de raid ? Ah, il y en a un qui a la clé, j'imagine. Obélix, le monstre ! Il y a une entrée par le côté ou pas ? Non. Où est la clé ? Là-bas. Voilà. Bon, personne n'a vu un drôle de personnage debout sur la... Ouais, il semblerait que je puisse pas descendre, sauter sur la roue. C'est une porte, ça, donc. La baraque elle est tellement défoncée que j'ai même pas remarqué que c'était une baraque. Hop, on pique ce qu'on peut, on récupère. Ah, ça c'est pour se planquer, ok. Ok. Je suis planqué. T'as qu'à arrêter de baisser la tête, hein. Porte un casque plus gros la prochaine fois. Ok, ça c'est récupéré, richesse collectée. Il n'y a rien, si, là, il y a des flèches par contre. Et ça, les flèches, ça peut être fort pratique. On fouille ici. Alors, ordre de Léofrist. Les Danois. Ah, j'arrive pas. Les Danois ont commencé à lancer des attaques contre le petit. De petits hameaux. Ces lieux sont mal pourvus pour se défendre, ce qui en fait des cibles faciles. Ce ne sont pas des pertes majeures, mais chaque lieu que nous ne parvenons pas à protéger tombe chez l'ennemi.
Cela va lui permettre de nous avoir à l'usure. Chacun de nous doit tâcher d'éviter de telles pertes. Restez aux aguets, mais soyez prudents. Mangez correctement. Dormez votre content. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Vas-y, ils veulent pas partager, les frères. Ok. Ça. Du coup, c'est fait. Ça, c'est aussi une baraque. T'as vu la tronche de la baraque? Je vois pas qui c'est qui peut habiter là-dedans. Hein. Sérieux? Le cheval, c'est pareil, il sait pas où se mettre. J'aime pas les ponts. Ah putain, je suis passé par le pont, il faut pas sauter la pierre, ce con. Comment tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit que tu la prendrais. Ah, crétin. Je dois vraiment tout faire moi-même. Journal d'Ivar. Nous avons le combat dans le sang. Je le sais depuis toujours, mais mon frère refuse de le voir. Comment tu as pu oublier la torche? Voilà, je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. On va déjà voir eux. Ah non, ne viens pas nous distraire. On essaie de résoudre quelque chose, là. Il nous faut du feu pour incendier la maison. Ah, réfléchis un peu. Comment tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit que tu la prendrais. Ah, crétin. Je dois vraiment tout faire moi-même. Ah, merde. Je crois que je me suis trompé. On va foutre le feu par terre. Comment tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. Ah, ça y est. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit que tu la prendrais. On va prendre feu. Ah, crétin. Je dois vraiment tout faire moi-même. Comment tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble. Regarde, cette étrangère nous a aidés. Viens ici, toi. Attends, je ramasse mes torches avant. Qui es-tu? Vous vouliez du feu, vous l'avez. Même si j'ai l'impression que vous ne risquez pas de réussir ce que vous entreprenez. Elle nous prend pour des idiots, mon frère. Nous, fils de Ragnar, avons la situation en main. Non, en fait. Des fils de Ragnar. J'en connais beaucoup, mais je n'avais jamais entendu parler de crétins et nigauds. Que cherchez-vous à faire? On a préparé cette maison pour imiter un pillage. Et pour que ça fasse plus vrai, on y a mis nos biens les plus précieux. Même des pillards d'élite comme nous doivent bien s'entraîner. Ne traînez pas. Oui, pour la gloire. S'il te plaît, viens. Je n'ai pas envie d'y aller rien qu'avec mon frère. Cette attaque renforcera notre renom. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.